Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo GeekTech. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la PMI Smoke Ninja, une machine à fumer compacte et abordable. Mais avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Qui aurait cru qu'un jour, on aurait une machine à fumer qu'on peut emmener partout avec nous? C'est juste incroyable. Il y a quelques années, c'était le genre de truc qu'on voyait seulement sur les plateaux de tournage. Et c'était vraiment gros. Maintenant, avec la Smoke Ninja, il s'est aussi petit qu'une de mes objectifs d'appareil photo, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Bien sûr, l'appareil lui-même, une télécommande, une bouteille de liquide, la chambre à vapeur à attacher au corps principal, et un câble USB de type C pour le chargement, et quelques autres accessoires pour le monter sur différents objets. On a une plaque magnétique pour le fixer sur des surfaces métalliques, et une vis pour le monter sur un trépied ou d'autres accessoires de studio. Vous pouvez même utiliser les deux en même temps. Je vais vous montrer comment installer la Smoke Ninja et ce que font les autres accessoires. Tout d'abord, enlevez le plastique entre la batterie et l'appareil. Ensuite, chargez l'appareil s'il n'a plus d'autonomie. Appuyez trois fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Ainsi, pas de risque qu'elle s'allume accidentellement dans votre sac ou votre sac à dos. Ensuite, enlevez le couvercle de protection de la chambre, vissez-la légèrement jusqu'à ce que la lumière s'allume. Enlevez le capuchon en caoutchouc de la chambre et remplissez-la avec du liquide de la bouteille jusqu'à ce qu'elle soit à moitié pleine. Une bouteille de liquide devrait suffire pour 200 minutes à pleine puissance, et vous pouvez en acheter d'autres en ligne. Si le bouchon devient rose, y attendez un peu avant de toucher à la chambre, elle est chaude. Après avoir arrêté d'utiliser la Smoke Ninja, rangez la chambre à vapeur dans son étui pour éviter les accidents. La Smoke Ninja n'a pas besoin de temps pour chauffer. Il suffit de l'allumer et elle est prête à fonctionner. Vous pouvez aussi l'utiliser avec la télécommande. Elle a une charge rapide, elle peut se charger en 1h30. La Smoke Ninja a trois modes, le brouillard, la glace sèche pour les effets spéciaux comme vous pouvez le voir ici, et la vapeur, idéale pour les spectacles de cuisine et la photographie de nourriture. Elle a une chambre froide qui se refroidit en environ 10 minutes avant que vous puissiez la ranger. Le brouillard peut fonctionner pendant 60 secondes, la glace sèche pendant 30 secondes et la vapeur pendant 120 secondes. Vous pouvez voir combien de temps il vous reste avec cette barre de santé. Moins elle était remplie, moins de temps il vous reste. La Smoke Ninja est très portable et le fait que vous puissiez la monter de deux façons différentes la rend encore plus polyvalente pour vos projets. J'adore ça! Une autre chose géniale, c'est qu'elle n'est pas si bruyante que ça. Pour 250 $, je pense que c'est un appareil unique qui peut être utile à de nombreux créateurs de contenu, des youtubeurs aux photographes et aux cinéastes débutants avec un budget limité. Elle propose des effets sympas. Elle est facile à utiliser et à installer, la fumée ne sent pas mauvais et elle dure longtemps. J'ai vraiment pris du plaisir à utiliser la Smoke Ninja.
et je la recommande à tous ceux qui cherchent quelque chose comme ça, surtout parce qu'il est facile à utiliser et qu'il a un bon prix par rapport à d'autres appareils similaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin, d'appuyer sur le bouton j'aime et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, à bientôt.